En tout cas, là, pour autant, avant, effectivement. Vous avez dit qu'après, vous avez innocé comment? Il était l'aide du cœur du chef de l'État. Le chef de l'État était assassiné pendant qu'il était dans la cour. Comment vous justifiez l'innocence? Le fait, c'est vrai qu'il soit dans la cour. L'aide du cœur est là. Comment on a tué le chef de l'État? Par le garde de corps, entre guillemets, par le garde de corps. Comprendre. Le dit qu'après, encore plus, l'innocence est dans la dernière chose. Le dit qu'après, il a innocé à ta montée. Vous comprenez? Là, il doit regretter pendant toute sa vie. Les lois en liberté. Je devrais normalement vous balancer, la balancer cette vidéo-là, où Yemoko, Laurent Désiré Kabila, a présenté Joseph Kabila comme son fils, et puis qui dit, je me rappelle, Yero Diala dit aussi, quand on a, c'était pendant l'investiture, il y a Joseph Kabila, pour dire que Laurent Désiré Kabila le voulait comme remplaçant. Vous étiez où en ce moment-là? Vous les enfants, parce que vous dites, vous les enfants légitimes, vous étiez où en ce moment-là? D'abord, pour commencer, la réponse n'est pas une bonne chose. Pour les fils, succès à son défunt père. Mais nous avons vécu ça, c'est malheureusement. C'est une confusion. Pendant le crime, profite à celui qui l'a perdu. C'est pour faire la bêtise. Quand Laurent Gabriel présente Joseph comme son fils, qui a déjà dit que Joseph n'est pas le fils de Laurent Gabriel? Non, nous faisons seulement la part des choses. C'est son fils, mais enfin adoptif. Comprenez? Ce qui faisait la différence, moi, il a vécu dans la méthode de Laurent Gabriel. Vous avez vécu ensemble aussi? Non, moi, je n'ai pas vécu en Tanzanie. Vous savez, après la mort de son père, papa Joseph a ébani, famille a ébango ébani, maman a épé a ébani. Fidèles téléspectateurs de Congo Uni Télévision, bienvenue en tous, hein, de partout où vous nous suivez. En ces nets moments, vous savez très bien qu'il y a tellement des questions qui nous taraudent, surtout concernant l'assassinat du Mosé Laurent Désiré Kabila. L'assassinat qui s'est passé le 16 janvier, vous ne l'avez pas oublié. Déjà là, ça sera le 16 janvier et nous tous, nous allons commémorer ces moments-là, ces moments qui nous ont tellement fait énormément de mal. Et on va en parler, en tout cas, sur notre plateau, avec des questions en détail. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement? On a vu Eddy Kapend, aujourd'hui, qui a été gracié par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais pourquoi? Qui est l'assassin du président Mosé Laurent Désiré Kabila? Le fait Mosé Laurent Désiré Kabila. Qui en est l'auteur? On va en parler. Non seulement ça, on va entrer dans le fond du sujet aussi. On va parler des élections qui se sont passées. Aujourd'hui, on a eu à proclamer les députés. Il y a deux ceux-là qui sont en train de se lamenter. Il y a grogne partout. Il y a contestation. Il y a grincement des dents. Mais pourquoi? C'est vrai qu'à chaque élection, il y a toujours des contestations. Mais pourquoi cette fois-ci, on sent qu'il y a d'autres qui se sont décidés même de rejoindre les camps des Nanga? On en parlera dans ce plateau avec M. Etienne Tshisekedi. Bonjour et bienvenue. M. Etienne Kabila. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Mais de toutes les façons, tout le monde l'a dit, Polo, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Alors déjà, on se perd même. Mais pourquoi avoir choisi Félix Antoine Tshisekedi? Non, vous savez, c'est juste un problème de nationalisme. Hein? Donc, d'un côté, il y avait un candidat congolais, de l'autre côté, un congolais des papiers. Dans où tu vas être congolais? Cour constitutionnelle déjà établie sur cette question-là. Ghana, vous avez vu l'origine à Bantu. Ça veut dire qu'un Congolais, de papier, ou un Congolais d'adoption. C'est un Congolais, n'est-ce pas? Je m'excuse, hein, Nazana, aucun de déranger au Québec aussi. Qu'on se le dise, c'est un Congolais. C'est pas un problème. Un Congolais de papier existe. Un Congolais par adoption existe. Alors, moi, j'ai pensé qu'il fallait voter pour le vrai Congolais et Félix Tshisekedi. Je n'ai pas voté que Félix Tshisekedi. Mais Azaïka, il me retient, hein, Congolais. Il y a plus que deux candidats. Oh, matin, il fallait passer à côté. Avec Félix Tshisekedi, normalement, vous avez ma figure. Ma figurant. Ça veut dire quoi? Bamso Mayaki Kaka n'a postulé. Après, l'ère Mobulo Gobima, transition Kozala, n'a pas tapé le pouvoir.
Vous comprenez? Mais c'est accusation grave. Parce que les gars qui non, nous vivons dans ces pays, nous savons ce qui se passe. Parce que les gars qui a peut-être comme on a eu mal. Naïma Tumoussou a dépassé 100 000 $, je m'excuse, et par la suite, ça a été campagne. Vous comprenez? Alors, Mamsou a désisté en faveur à Moïse, Mamsou a désisté en faveur à Félix. Pour moi, il n'y avait que deux candidats. Vous comprenez? Je n'ai pas voté pour le président Félix. J'ai voté pour Augustin Kabouya, que je n'ai jamais vu. Vraiment? Oui. Moi, j'ai voté à ma tête. Na komi, na ke, na zo tout na bat. Numéro Augustin Kabouya, ils arrivent combien? Après cette campagne, il y a des gens qui n'ont pas quitté. Pourquoi on a salé Kibongo? Justement. Parce que je voulais à ce que le président a dans la majorité dans le Parlement. Qui a dans la majorité n'est fabriqué le clôture de l'Union sacrée. Vous comprenez? Parce que la majorité de l'Union sacrée, c'est que ce que vous voulez dire, c'est lui qui a mis ma députée dans le président a peut-être la majorité. Ou bien il faut que forcément premier ministre à côté de la carte il y a coalition à Bangouane. Ça ne pouvait pas faciliter la tâche au président pour ça. C'est pourquoi on a voté qui d'abord pour le président Félix numéro 20. On a voté Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, même au niveau provincial. On a voté qui aussi quelqu'un de l'UDPS, candidat numéro 100. Donc il a voté dans le cas Kabata UDPS. On a voté UDPS façon à contribuer avec ma petite voix va contribuer que. Et président de la majorité. Et c'est vrai, c'est peut-être parce qu'il y a Augustin Kabouya qui a dit. Mais il y a Augustin Kabouya qui a dit, comment on a là. Même à ta accusation, il y a porté sur lui et qu'il y ait pas ça. Le problème, il y a dit que l'UDPS, président de la République avec son UDPS, a dit la majorité. Pour que mandat Oyo, président Akoka, pour inscrire l'histoire, changer un peu le Congo, présenter sa vision. Parce que jusqu'à là, les pays ont marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme fixe du gouvernement. Vous avez 500 partis politiques. Comment allez-vous faire un projet du gouvernement avec 500 partis politiques, par exemple, hein? Vous avez une coalition qui a 350 partis politiques. Oh, pardon, vous allez utiliser quel projet de société? Exactement. En un même conseil, je m'étais dit non. Il faut en voter président Félix, en voter pour l'UDPS. Président soit une majorité, comme c'est son dernier mandat. Ce que vous voyez, c'est Kéliboso. Même si je ne suis pas de l'UDPS. C'est ça. OK. Vous voyez, Kéliboso. Et en plus... C'est la patrie qui est en danger. L'UDPS. La patrie. Ah, la patrie qui est en danger. La patrie qui est en danger. Vous comprenez? C'est pourquoi Bissot, à notre niveau, tout ça, Nganaki, Ngaï, Mouswahili, il y a quelqu'un d'autre, Moulouba, Mungala, Namukongo. Tout ça, les structures, ne touche pas à ma terre. Ok, très bien. Ne touche pas à ma terre. Dans la terre congolaise, ne touche pas à la terre. Parce que terre est un sacré. Au moins, ne touche pas à ma terre. Mais le président de la République, Félix, c'est qui? C'est les garants de l'intégrité territoriale. Donc ne touche pas à Félix Tshisekedi. Vous comprenez un peu? Parce que ceux qui Félix a accueilli de l'eau, vous sentez vraiment que nous avons combattu pendant 18 ans. Maintenant, vous venez battre tous les habillés Saint-Pierre et habiller Saint-Paul. Là, on a dit non. Il faut tout à l'heure de l'avant, ce qu'il faut faire, il faut tout bon. Parce que le problème est à Félix, mais il y a un bateau qui a nommé simplement les gens à la place où il y a élu effectivement. Il y a déjà les gens des oppositions, même les gens de l'Union sacrée. Bon, en fait, on a posé une candidature au départ. On a dit que le premier ministre, pourquoi on a contesté? Par exemple, le docteur Mukwege a dit, nous connaissons que la preuve de la fraude est déjà là, elle est déjà bien programmée. Après, on pose la question à la même personne. Voilà. Donc, pourquoi on a contesté? Vous comprenez? André le place, il n'y a pas qu'une élection. Il fallait pas ça, peut-être que boule l'élection à moi. Vous comprenez? Mais pas là, ma députée. Je vous dis que Moutroko Langa, qui n'était pas supposé à voter pour l'UDPS, c'est une prise de conscience. Moi, je vais vous expliquer comment l'UDP a gagné. Pourquoi le président Félix a gagné? Pourquoi? Parce que stratégiquement, Bazek va prévenir. L'UDP s'est parti à l'éloté. L'UDP s'est implanté partout dans le Congo, jusque dans les pays. L'UDP s'est là. Vous comprenez? C'est quoi? Moutouloko, on a gagné la présidence. Il va faire la campagne jusqu'au. Si tu as arrêté, comment tu as un territoire? Tu as un secteur? C'est facile, c'est difficile. Mais l'UDP avait déjà jusque-là. Vous comprenez? Dans le candidat président Moussous, à l'autre temps, il peut y avoir un candidat pour se faire un candidat pour venir avec Moïse. Moïse Katumbi. À l'autre temps, il y a Francis Kalombo, à l'autre temps, il y a Banani. Matata Pogno.
bango ça va pas attendre surtout dans l'effet Kameta bango bazana na bamaze te osala campagne ko bango ba voter ba voter Francis Kalongo il n'a même pas bâti campagne hein au lieu à la tiga la base na à la campagne na et na ka na président de la république yo zo tambula na pays na na Moïse après la kisangana comme la kisangana mais campagne à l'américaine quand même yawa oh non il y a des mais namoni Francis Kalongo zo s'attaquer na et trop des stratégies à président Félix Félix ça ça ina bâti il y a beaucoup à cette campagne, à Zana Batunaï, dans la province du Rwanda, par exemple. Donc, l'opposition va perdre pour Bazaki na Batouté. Moïse s'est bâti seul. Et puis Moïse a donc. Ah, donc il y a au moins un Moïse Katoulien. Et pourtant, il y a d'autres. Il y a confusion, il y a football, je suis un pays. Imaginez-vous, à Zana campagne, à Kina Kisangani, avec Kassoussou. Kassoussou, il ne connaît même pas Paris. Vous comprenez? On a un champ où tu sors la campagne, tes heures pour tout. Et tes heures pour tout, tu es ma politique, ou bien ma camionnette, ou bien ma camionnette, ou bien ta balle. Vous comprenez? Mais t'as l'air que quand le président Félix, au moins le président Bat, vous commencez à faire un caméra à photo, dit l'on est en photo, ou il dit bah combat à sa photo, au moins, bah combo à la Kizana, dans l'influence là-bas. Au moins, élection à Congo, au moins, on a un bon cannabis. Il y a un provincialisme, mais il y a un peu à 4. Mais Moïse n'avait pas de gros noms pour aider. D'accord. Je crois qu'on va aborder cette question là peut-être après. Mais tout est un nom du solo. Il y a Moïse Laurent Désiré Kabila. Ou Azali Papa ou Abotio. Otoye Bibi Sonio Sotou. Vous allez contester par rapport à la légitimité de Joseph Kabila. Vous allez grand frère Nabine. Et que Tilelo, c'est vrai qu'Azali Sou n'a pouvoir. Il y a certaines réclamations quand même de votre part. Parce que Zouibino, prise en charge comme telle, les athées. Ça date pas d'aujourd'hui quand même, ça il faut le dire. Mais l'assassinat de Moïse Laurent Désiré Kabila, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a été l'assassin. C'est vrai que Babeta Lissoula Barachidi, Babeta Lissoula a dit qu'Apen Bakangi a pur Jacky Pennaye jusqu'à ce qu'il va gracier par le président Félix Antoine Tshisekedi, a Pesaye Lissoussou, les Alipos et Moko. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette question-là de l'assassin va rester dans la tombe si Ekoye Banaté pour Joseph Kabila Sakéi? Il dit qu'à peine il y a un appel de l'Oise déjà dans un poste de Moro Nicolo. Donc cette question-là reste toujours fermée. Pour commencer, je vais dire comment est-ce que Joseph. Parce qu'après, Azor va toujours à l'officiel. Il dit fils de Moïse Laurent Désiré Kabila. Non. Moïse Laurent Désiré Kabila, c'est frère de Moïse. Moïse, c'est comme on a été. Moïse, ça veut dire tout simplement vieux. Vieux, effectivement. Voilà. Donc, c'est comme ça à l'Est, souvent, quand il y a un vieux, on l'appelle le vieux sage, il va venir avec Moïse. De son vrai nom, il s'appelle Laurent Désiré Taratibu Kabila Kamakolo. C'est son vrai nom. Comprendre. Et puis Joseph, vous le dit, grand frère, non, je suis d'ailleurs grand par rapport à lui. Ah, donc, il y a un petit frère, non? Entre guillemets. Entre guillemets. Bon, le 20, le 16 janvier, Laurent Désiré Kabila a été assassiné par les soins de Eddy Capin de Rung, de Joseph Hippolyte Kanambe, que vous aimez appeler Joseph Kabila. Moi, je ne l'appelle pas son nom. Hein, le fils adoptif de mon père, il va organiser le coup d'État à Bamako. Bangonde va organiser qui coup d'état à Bamako. Avec la CIA. La CIA qui a pu organiser, après Eddy Capin a continué l'assassin à Paris du Mar. Bomir, ce n'est pas Rachidi. Rachidi n'avait pas tiré sur Laurent Désiré Kabila. Mais qui avait tiré? Parce que l'enquête jusqu'aujourd'hui. Il y a un mythe qui se crée tout autour du chef de l'État. Pourquoi Bango, tel cas, vous bangiez? Attends, tu es là-bas, tu es à l'aéroport par hasard, tu es à Félix Sonor. Aussi tout. Vous comprenez? Rachidi n'avait pas intérêt à tuer ce Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi Eddy Capin l'avait tué? Eddy Capin avait tué Rachidi. Pourquoi? Parce que Rachidi, c'était le bouc émissaire. Pour dire que c'est lui qui a tué Laurent Désiré Kabila. Il fallait l'arrêter à Samba. Vous comprenez? Eddy Mtatinda, Rachidi, va vérifier ce que fait le chef de l'État là-bas. Rachidi, à côté, on est dans un verre de sang. Il y avait un militaire qui avait préparé, avait arraché le bar à l'Okolo. Après, Eddy Capin est allé à la Kalachnikov pour acheter. Donc, abouillé ma piste. Abonné Eddy Capin. Sauf qu'il y a un procès à l'Okolo.
Quand Émile Motta lui-même dit qu'ils étaient présents dans la salle lorsqu'on a tiré sur le chef de l'État, un assassin qui entre, il tire sur le chef de l'État. Hein? Mais Yazawana, il n'a pas tiré sur lui, à Bibi Bani. Yoza Kouroja Rolanda, il n'a rien qui cache d'une autre. Ça comprend ça. Hein? D'abord, Rachidi, il faut Boumayo, parce que tu as un jeune témoin, un témoin gênant. Hein? En plus, alors, qui est Aboumaki a tiré à bout portant. Nous sommes experts en balistique. Mais une balle tirée à bout portant ne peut pas rester logée dans le cou. Il faut regarder de l'autre côté. Alors, la balle qui était restée logée dans le cou prouve que le tireur était à une distance de plus ou moins de 2 mètres. Le fauteuil avait deux impacts de tir croisés. Donc, il y avait plus d'une personne qui avait tiré sur le nez de Désiré Kabila. Même pas cela. Lorsque Émile Motta arrive au procès, il a présenté Baguille. Oui, oui, il y a armes, oui, oui, il a utilisé. Non, ce n'était pas les armes utilisées par la garde rapprochée de l'ordre de Kabila. Rachidi et les autres utilisaient des revolvers 8 mm de fabrication nord-coréenne. Tandis que l'arme déduite que Motta avait présentée au procès, c'était une arme automatique de fabrication belge. Donc, ils ont un rapport, mon côté, nanana, na Rachidi. Vous comprenez? Et donc, on va préparer qui va faire le procès. Il y a l'Okuta, il y a le Gabon, il y a le Bédicapène. Pourquoi il y a le Bédicapène? Le Bédicapène, le procès qui est prévu. Je ne vais pas préparer ce procès-là. Le Bédicapène, il y a le Caron. Il fait la mère, ma grand-mère. Ma grand-mère. La mère de Laurent Zéretané. Avec la tribu Caron. Vous comprenez? Après le divorce de notre grand-père, les Zéretané de la tribu, il y a Jeanne Mafik. Jeanne Mafik, la mère. C'est le divorce. Il y a le Bédicapène. Qui c'est Hortense Kibawa, la grande sœur, puis Laurent Désiré Kabila. Après, il a divorcé. Non? Mais le grand-père Désiré Taratibou est resté avec d'autres femmes et il était chez Boutini. Moi, si on a quelqu'un qui a combattu là, Henri Karoune, la bota ban Moussous. Vous comprenez? Mais si Kaba, la famille Moussous, il y a Laurent Désiré Kabila, Karoune, la banana, il est venu. Maintenant, les officiers Karoune, qui contre coup d'état à Joseph, parce que Babano Kanesaki, il dit qu'il n'y a pas de pouvoir. Mais Joseph a joué, Joseph a joué. Bah, on a préparé coup d'état Moussous contre Joseph. Ok. On comprend. C'est alors que Maître Mboui, de l'ANRF, Joseph, non, tout ça, la commission d'enquête, n'est pas quand il y a Edi Kapen. Massam ici, on a posé du douane, à qui on a prison. Donc, Edi Kapen était dans le coup, effectivement. Effectivement. C'est lui qui devrait prendre la relève, donc à diriger juste après. L'Occident avait miroité le pouvoir à Edi Kapen. Après la mort de Benzéré Kabila, l'Occident a dit non, on ne peut pas mettre. Il dit qu'après, il a quand même l'aéroport, il a Beach. Il était prêt à prendre le pouvoir, mais il n'avait plus d'appui. Zimbabwe, Angola, Occident, on ne sait pas ce qu'il dit. Il n'avait que les militaires de la garde présidentielle qui pouvaient s'appuyer sur lui. Ils pouvaient s'appuyer sur lui. Alors que le militaire de la garde présidentielle, il dit qu'après, on ne sait pas. Donc, il dit qu'après, il s'est directement isolé. Il a abandonné. C'est comme ça qu'il y a ce programme qui était. Jusqu'à ce que Joseph a vu l'avion, il a vu Lubumbashi. À Zongi, Joseph a été très rusé. La nuit, le 15, a vu l'avion qui est Lubumbashi. Ça sent très bien que les 16 Bakoumandou ont dit Kabila. Il faut comprendre. Les Bakoumi ont dit Kabila. Maintenant, le général Chirouze, qui était le chef d'état-major interarmé, un Zimbabwéen, parce que nous avons une armée à Zimbabwe, Angola, Namibie, alors le chef, c'était le général Chirouze. Le général Chirouze appelle Joseph. Il faut comprendre. 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 Joseph a vu l'avion comme Awa, aéroport de Zabokam. La piste est bâtie à Banani Maro. Le dispositif la piste. Ma chaîne va bien. Alors, à Saint-Guy, il y a Dieu le chat, comme c'était les 7. Le sorcier ne savait pas non plus qu'il dit que Joseph faisait une coup. À quel moment on a parlé, il dit que Joseph a quitté. C'est comme ça que Joseph faisait le pouvoir. Alors, il dit qu'après, lui, on a voulu seulement miroiter le pouvoir. Et on comprend en retard que non, Occident va nous conseiller. L'Occident préparait Joseph parce que Massa va tenter la coup d'état et délai s'il va quitter. Il y avait Massasu avec Olengankoi, avec Zahid Dingo, mais s'il va quitter, Massa et Moussous, Massa, son âge Joseph, s'il va quitter, cette fois-ci, pour préparer Joseph. Pour détailler, si Joseph a dit pourquoi. Mais Georges Miridi, à Salakini Nakatsuana, il a joué quel rôle exactement? La garde réprisée, comment la garde approchée à Laurent Désiré Kabila? Ils ont un Congolais Moussous, 50%. Parce qu'il est déjà filtré pour aider les. Vous comprenez? Mm. Dès que vous avez vu, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que parce que la militaire était contre. Non, les militaires, les gens, ils aimaient beaucoup. Ils aimaient beaucoup. C'était ses enfants. Ses enfants. Parce qu'il est plus choyé. Il parlait avec eux comme des amis. Je me souviens,
Pourquoi tu n'as pas de mort? Pourquoi tu as un ensemble? Parce qu'il y a l'aise, personne ne pouvait prendre le courage à Mais pourquoi il a été tué? Voilà. Raison des années. C'est la CIA d'abord qui a tout organisé, qui a organisé tout ça. Les intérêts. Voilà. Après la prise du pouvoir, l'homme a pris conscience. Il dit non. Vous avez 70% de la vie, vous avez gagné trop, vous changez. Après, comme vous l'avez vu, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps fidèle, c'est ça? Non, pour ça, c'est le contraire. Le Rwanda n'avait pas mené les Rwandais au Congo. C'est juste l'inverse. Okay. D'abord, les Rwandais étaient mieux organisés que nous. Tous étaient mieux organisés. La première erreur, c'était que M. Mobutu attira les directeurs de cabinet. Et tous les Rwandais, distinguément à Rwanda. Pendant 11 ans, directeur de cabinet. Alors, Bisekema Roma a commencé à recruter des Rwandais, parce qu'on avait une entreprise publique. On les appelait les bons gestionnaires. Il y avait des SNCZ, partout. Alors, ça va causer une gestion de Bango Batoussi. Mobutu a commencé à héberger Batoussi dans notre pays. Pour pas déranger à Berima. Alors, qu'elle s'organise à leur manière. À un moment donné, après ça, Bango nationalité. Après, elle a voté Bango sous nationalité. Alors, s'organise. Dès que ça, après, Kagame a fait sa formation aux États-Unis, Zongi, il va recruter les jeunes qui sont au Uganda pour la formation. Batsa tentative na 90 contre Abiyarima les Simba te Bazonga. 94, Batsa dit paf, Balongoli Abiyarima. Après, on va préparer maintenant l'après Mobutu avec l'Occident. Les Babandia fidèles là-bas, on n'était même pas là. Bakuzwa, Lemera, Uvira, Bukavu. Par contre, la Bukavu va se sentir que non, il faut que le Kabakongo le Congolais le Mobutu à ma case. Et puis surtout rapporter la vie sur Tuzana et à ma case. Mais vous savez, dit à Kagame, moi je connais quelqu'un, Laurent de Zekamina. Moi. Alors, pour le voir, il fallait chercher qui, Joseph. Mais pas besoin de Joseph, tout Joseph, où est ton père adoptif? Bon, Joseph, il a pris ça à coordonner, non? Il est dans ça là. Il est dans le câble de Bayanet. Il va vous expliquer comment nous allons faire la guerre, chasser Mobutu. Il n'était qu'un simple rapporteur. Mais c'était mieux pour nous, parce que là, comme la Kinshasa, arrête aussi de programmer le président dans le Mumbashi. Parce que leur plan, c'était que soit qu'il était à la Kinshasa, il va venir à l'aéroport. Pour Bouguera, que Bouguera soit président. Vous comprenez? Donc, il y a un corrigé, le Rwanda qui a le bâti. Ce n'est pas le Rwanda qui est venu avec le bâti. Ce sont les Rwandais qui ont amené Rwanda et Kabila au pouvoir, avec la CIA. Vous comprenez? Après, il y a Baloukilaï. Après, il y a Baloukilaï. Le bino, c'est fini l'opération militaire. Rentrez chez vous. Bango, il y a une rébellion. Juste, il y a un Congolais, il y a un Bambani rébellion contre la misère. Vous comprenez? Pourquoi vous remarquez? C'est un problème d'intérêt. Alors, il y a les relations. Lui, il parlait quoi de. À lui des accords, il faut les entretenir. Vous comprenez? Babylon, les entretenir, les accords, les sociétés. La relation va rentrer dans l'autre. Même l'Occident voulait à Zouaka tout ce qu'il y a au Congo, mais les Amiens, ils avaient privé à l'Amérique. Vous comprenez? Cela veut dire que, Babylon, il manque non, parce que le Mobutu, qui est plus dur que Mobutu, a joué des fans de Banin, va intégrer. Alors que l'Occident n'aime pas les nationalistes. Vous comprenez? D'où il fallait que, Clinton avait dit que, avant la fin, de son mandat le 20 décembre, il faut aussi s'adosser à Laurent Désiré Kabila et à Congo. C'est pour ça qu'il a été assassiné le 16. C'est ça la raison la plus fondamentale. Ce premier année, son entourage. Entourage, il va nous comprendre ce qu'il dit. Mais ça vous fait quoi aujourd'hui, Hormona, Idi Kapend, où il a participé à un assassinat de Laurent Désiré Kabila, à la Lélo libre, gracie en même temps? C'est vrai qu'il y a eu des gens avant lui, pour y mourir à l'Obakango. Avant de proclamer l'innocence, mais que lui, il est innocent et que les gens qui sont criminels sont à l'extérieur, sont en liberté. Attends, il va en mode. En tout cas, là, peut-être qu'il va en mode. Il a dit qu'après, il était innocent comment? Il était l'aide du cas du chef de l'État. Le chef de l'État était assassiné pendant qu'il était dans la cour. Comment on peut justifier l'innocence, Naï? Le fait, c'est qu'il soit dans la cour. L'aide du cas est là. Comment on a tué le chef de l'État? Par le garde de corps, entre guillemets, par certains gardes de corps. Comment c'est responsable, ce chef? Vous comprenez? Le dit qu'appelle encore plus innocent, c'est un dingue. Le dit qu'appelle à innocent, t'as bouqué. Vous comprenez? Il doit regretter pendant toute sa vie. Les lois en liberté, que voulez-vous? C'est ça la loi de la nature. Vous voyez bien, le chef de l'État, ce n'est pas la personne la plus intelligente du pays. Mais c'est supposé l'homme le plus intelligent par rapport à ses conseillers. Les présidents ont signé mesure de grâce à Le dit qu'appelle. Admis en prison. Juste après ça, je n'ai plus Bazawak. Comment se fait-il qu'on signe mesure de grâce pendant que le président a lucidité? Ils ont continué. Vous comprenez? Le président a signé mesure de grâce et a dit qu'à peine le consul va venir à la prison. Vous comprenez? Qu'on signe mesure de grâce, ça relève bien de la compétence du chef de l'État. C'est une prérogative du chef de l'État, bien sûr. Mais procédure.
il fallait à ça la réouverture à procès. Après procès, il va clôturer le procès ici. Il doit continuer sur mesure de grâce. Vous comprenez? Edi Kapen était condamné à mort. Edi Kapen était radié de l'armée. Vous comprenez? Parce que les va nommer sur Edi Kapen à commis général. C'est comme si vous nommez sur un mort à commis général. Donc ça veut dire que le président a craché sur la mort de votre père. Non, cela veut dire que, pas jusque-là, ça veut dire que les Alokola ont eu un civil au commissaire général. Parce qu'il y a, il devait y en avoir une procédure. Il y a pour réhabiliter tout au sein de l'armée pour que vous puissiez fonctionner. Donc, alors, il est sorti du Néa, a commis général. Là, nous parlons de problème. Le problème, c'est que justice est ça. Bah, défenseur des droits de l'homme, Lazado, la voix des sangs. Bah, l'Obama l'a aimé, va réclamer la liberté du côté israélien. Nous, on est de notre famille. Pour réclamer, il faut qu'il y ait justice. Qu'il y ait la justice, ça les matins. C'est pour dire que même ceux qui sont autour du chef de l'État, je pense que le chef de l'État était même sous-informé. C'est pourquoi mon ami, dans lequel on a dévoué, on a le babillon, on a le babillon, on a le babillon, chef de l'État. Non, non. Surtout, on a le babillon, on a le babillon, des fois, on a le chef de l'État informé. Mais au fait, entendu que chef de l'État qui est à Goma, qui a créé ce rang de compte effectif, il a reçu après sa carrière, il a reçu et bien le coup de l'État. C'est là qui échappe au chef de l'État. Il faut que tout le monde le bélango, pour que le président comprenne. Vous en comprenez. Le 20 janvier, les OER, bon, il y a un serrage, tout à la carte. Oui, mais question, parce que au lobby, Joseph Kabila, c'est lui qui a organisé, comment dire, orchestré même ce coup d'État. Oui, mais justement, Bino Bozala qui ouapi, parce que la question que beaucoup de Congolais se posent, déjà, je n'ai dans la vidéo, mon repère, je devrais normalement vous la balancer, cette vidéo-là, où Yemoko, Laurent Désiré Kabila, a présenté Joseph Kabila comme son fils, et puis qui dit, je me rappelle, Yero Diala dit aussi, quand on a, c'était pendant l'investiture, il y a Joseph Kabila, pour dire que Laurent Désiré Kabila le voulait comme remplaçant. Vous étiez où en ce moment-là? Vous, les enfants, parce que vous dites, vous, les enfants légitimes, vous étiez où en ce moment-là? D'abord, pour commencer, la République d'Otto n'est pas une monarchie. Où les fils succèdent à son défunt père au pouvoir. Mais nous avons vécu ça, c'est malheureusement. C'est une confusion. C'est une confusion. Pardon, les crimes profitent à celui qui l'a perpétré. C'est pourquoi il a fait ça. Quand Laurent Gabriel présente Joseph comme son fils, qui a déjà dit que Joseph n'est pas le fils de Laurent Gabriel? Non, nous faisons seulement la part des choses. C'est son fils, mais enfant adoptif. Vous comprenez? Ce que nous faisons la différence, moi, il a vécu dans la méthode de Laurent Gabriel. Vous avez vécu ensemble aussi? Non, moi, je n'ai pas vécu en Tanzanie. Vous savez, après la mort de son père, papa Joseph a ébani, famille n'a pas ébani, maman n'a pas ébani, si femme n'a pas été, maman n'a été. Pardon. Si femme, maman n'a été. Ce qui procède, c'est à l'évina, si fait fois qu'il est prison. Si on a ça, maman Joseph, c'est quoi, il y a qui est prison pour elle? Si femme n'a pas été prison. Pourquoi Arouba Joseph a ça, dans le bac à tous les jours, sauf qu'on a aussi femme n'a pas envie. Après qu'il est prison, on a procédé pour Tenga, dans le bac à maman Joseph. Vous comprenez? Papa Joseph Aebani, Azaki, Poussi Rwanda, Christopher Kanambe. Akima Rwanda, Aeko, tout à l'heure, dans le monde, a comment vous avez dit que vous avez dit? Vous comprenez? Les ballons, la Sud de Kivu, Bakina, Tanzanie. Maintenant, le président Mobutu avait corrompu Christopher Kanambe pour empoisonner le Renzel Kabila en Tanzanie. Le Renzel Kabila a besoin d'informations. Il y a pas de problème, il y a pas de problème. Tous les gens qui ont dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Basali procès, couronne militaire. Après la mort de Christopher Kanambe, après la guerre de Moba, donc c'est pour dire que Joseph a vécu dans la maison de la Désiré Kabila. Si vous avez un maman Joseph Nengeni, si vous avez un mobile naïe, ils avaient des camarades de Désiré Kabila. Comme on avait Michel Lokoma. Vous comprenez? Michel Lokoma, Laurent Kabila a dit Bango, il est en Nord Katanga, en 1984, il a recruté la jeune Moussousou, la soldat Basili. Il a recruté la jeune Moussousou, la armée. Michel Lokoma, il a fait Massanaï Moussousou, il a fait Massanaï. Il a fait défense Massanaï. Mais Laurent Kabila a pensé qu'il n'y avait pas Michel Lokoma pour Azonga Kate. Il y avait un militaire là-bas de Mobutu qui était. De la même tribu que Michel Lokoma, Abouma Michel Lokoma. Azunga Namaki Susté. Vous comprenez? Joseph Arouya, à votre 71.
Si Fabio Agnan a 71 ans, moi, c'est Michel Okoma. À comment comparer après la guerre de Moba 2, Moba 2, c'est 1987. Les Bakina Tanzanie, mais si Fabio Agnan, encore peut comparer à Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? Les Laurent Kabila a eu le pouvoir. Alors, on va vous appeler à Michel Okoma. Michel Okoma est mort après Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? Donc, Joseph Azamwana, si Fabio Agnan, le type n'a aucune goutte de sang pour la sévère. C'est un petit rwandais des pères et des mères. Vous avez dit, vous étiez où? Moi, j'ai d'abord gagné. Moi, je suis né en Tanzanie. Après, ma mère a engagé Jackie Bon, Tozonga, Nanini, à Congo. Pour qu'on trouve la guerre, on a fait mon voyage en Tanzanie, à l'Est, à Kivu, il y a en Tanzanie, maman a zongé à Kaleni, auprès de ses parents. Hein? On avait quand même la chance d'avoir une mère intellectuelle, d'être comme un coutant à Bongo. On a grandi à Kaleni. Et à Kaleni, tous les jours, avec la famille de notre père, Badi Doné Kasongo, Bartas Kibawa, tous les frères venaient nous voir, nous avons amis. C'est cool. L'air, maman a banou, la pression, il y a Bamou Boutiste. Comment la connaissait comme la femme du rebelle Kabila? Les camarades m'ont expliqué, non. Il faut intégrer un père pour te mettre à la maison. Des mamans intègrent un père. Maman a dit, on doit intégrer un père, comment on peut député national. Ça va peine à mon père, et on a grandi comme ça. Donc, tout le monde a participé dans Tanzanie. Quand notre père est venu au pouvoir, il n'est pas sûr que tout le monde a été. Vous comprenez? Comme il a demandé, il a appris que moi j'ai fait la criminologie, il m'a dit non, il faut retenir la formation, il y a la sécurité. Toi, Pina, fais du Sud. Tu as dit 12, tu as dit à Khartoum. Après Khartoum, tu as fait la formation sur la semaine à la Syrie. Oui, mais tu as dit que tu as dit, je crois que ça date quand même, où il y a eu en Afrique du Sud, pour le Baki, qui a préparé l'assassinat contre le régime de Joseph Kabila. Donc c'était vrai aussi, au salapé criminologie. Non, tu me logeais à Koboma. Donc, quand on a la foule du Sud, Joseph a monté un faux coup d'État contre moi. Parce que moi, j'ai gêné Joseph. Parce que Joseph, vous savez, c'est un tyran. Tout le monde avait peur de lui. Mais il y avait quelqu'un qui l'a démystifié. Dès que Joseph n'est pas le fils de mon père, tout ça n'a qu'une chasse à Awa. Joseph a tout le pouvoir. La salle conférence de presse, la voix de Sarah pour les droits de l'homme. Après que les médias aient fait écho, j'ai fait l'objet de menaces de mort, de chasse à l'homme, d'Akima, de la foule du Sud. Vous comprenez? Atina va tuer il y a des généraux là-bas. Là hein? Bah, témoignages, c'est un jeu Fatima à Boumaï. Tu travailles telle place, au salon conférence de telle place, au bon moment, Fatima à Boumaï. Mais, là-bas, il y a un peu de ma famille. Bah, généraux, il y a même des témoins. Généralement, on a un peu de temps à la vie. J'ai un gars à Franck Dion. Tu as des témoignages, Fatima à Boumaï. Mais, Dieu m'a protégé. Vous comprenez? Il n'y avait pas de coup d'État contre Joseph. Joseph Fatima Mbongo, na Hox. Donc, c'est la fin de ces alcools là, FBI. Après ça, mon bon, on va préparer un faux coup d'État. On va mettre un peu de temps. Hein? La fin de ces dinosaures, nous sommes dans une faction dans le bon avis, il faut assembler. Tout ça, j'ai gagné le procès. Pour gagner le procès, tout le monde est libre. Donc, il cherche ma tête à tout moment. Hein? Oui, mais quelle assistance vous voulez? Parce que vous dites que la famille n'est pas assistée. Donc, vous ne bénéficiez de rien du tout. Non, va tout le monde se on va avoir toujours l'héritage. Moi, je ne parle pas de ce terme-là. Mon combat, ce n'était pas cela. Mon combat, c'était que le Congo ne peut être dirigé par un étranger. Tu vas comprendre la gabarité. Je pense différemment de certains membres de ma famille. Moi, je m'étais dit que comment un tout si rwandais peut diriger mon pays? Un abruti, il ne connaît absolument rien. Je vais pas être à l'école. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 18 ans? Mais papa, il n'y a pas de problème. Il y a présenté Bissoui. Non, on présente Bissoui. Il faut que vous ayez dit que vous avez 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 qui avait dénoncé ça? Ce n'est pas un Kabila comme moi qui a dénoncé ça. Mais on n'a jamais produit ça. C'est ça le mal des Congolais. Bah, il va reconnaître ma valeur à mon truc. Bah, tu es bien, comment va ouvrage là? Bah, Joseph Rwandais, bah, viens belé, bah, comment va ouvrage? Bah, tu vas prendre tout là. Même quand j'étais à la fin du Sud. Mais les gens, on avait demandé, oh, maman, comment on est en train de quand les vieux écrivent son ouvrage, à comment on a ta citation, t'es qu'elle était là. Vous comprenez? Tous en est, tous en est mal des Congolais, c'est toi qui connaissais ma valeur à mon truc. Il faut apprécier le mal à la au moment précis, il faut apprécier que les cas fait quelque chose de bien. C'était pas facile que mon toit, les cas où je suis venu Rwanda, je suis dans le pouvoir, n'ayez pour dénoncer ma capacité. Je me suis dit pendant combien d'années? Je dirais que ça fait 20 ans. Parce que c'était un plaisir comme ça, la guerre à l'exil,
Après, nous causons 20 ans après. Non. Hein, à l'étranger, ce n'est pas une bonne vie. Vous comprenez? Je m'étais battu pour mon pays, la vie Congo, Langa, et vous n'allez jamais dirigé par un étranger. C'était ça mon combat. L'héritage dont on parle, c'est un droit. Ce qui va l'ingit, ce qui est au lingit, parce que toute la famille, son balingue va réclamer l'héritage, par exemple. Héritage, et ça, on va faire et t'as des familles, ma famille va se faire va identifier, va bien présenter, qui va te faire l'adresse. Après, comment on partage? Il y a des héritiers de premier degré, deuxième, troisième degré, etc. Code familial, on a des familles à Congo. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les émoluments du chef de l'État. Hein? Vous comprenez? Mais là, c'est l'État congolais. Tu dois faire ça. Jésus ne pouvait pas faire ça. C'est lui qui doit faire ça, c'est le président Félix. Or, on ne pense pas à la famille Kabila. Bakoumoussou va souffrir. Quand on peut dire que Ibrahim a l'obaka tous les jours, que ma famille Moussou a l'obaka, va souffrir. C'est vrai. Va souffrir. Vous comprenez? Mais au moment où il va recevoir, il va. Premier ministre, jamais les enfants de l'Ordre de Désiré Kabila. Vous comprenez? C'est ça, les émoluments du chef de l'État. Là, c'est un droit inaliénable. Vous comprenez? Inaliénable, il faut que l'État congolais doit penser dans ma députée, tous les députés sortants. Oui, à Kalawana, les présidents, les députés sortants qui sont en vie, ils vont toucher $500. Et combien touche la famille Kabila? Zéro. Vous comprenez un peu? En dehors de ça, bon, c'est, la famille aussi a une part de responsabilité. Quand moi, je me suis battu contre Joseph, Joseph a vu ma tante, ma oncle, a intimidé Bango. D'abord, on a parlé de Marc. Bango, je faisais la crise, a intimidé Bango. Ensuite, après, c'est Bango Bongo. Non, ma soeur, non. Non, pas quand on a voté. Pas des avouenga. Pas des avouéyo. On a une vidéo. Mais c'est ce que vous voulez. Les gens disent, quand je rentre ici au pays, on me dit, non, tiens, vous avez une raison. Si vous avez une raison, c'est fait, c'est fait. Vous comprenez? Mais l'autre, mon côté. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de moi, le problème, c'est le Congo. Moi, le problème, tout ça, il y a le problème, c'est le problème, comme la similitude dans le pouvoir de Félix. Ok. Parlons de cette similitude-là. Similitude, c'est là, il y a. Après, ça va me dire, utilisez-moi rationnellement. Carmen Ezate, président de la République. Massango est président de la République. Mm. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que tout autour de lui, les gens ne comprenaient même pas ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, vous pouvez aider. Et lorsque l'Occident dit, par exemple, c'est fini, le rat de Kabila. C'est d'accord. Des problèmes, Félix, président Félix Kabila. Comment le président Félix Azongeli. Et il n'a pas la Congo et aucun été. Vous comprenez? Le président dit, oh, le peuple doit se prendre en charge. Azongeli, il y a le rat de Kabila. Le nationalisme. Vinay comme fini en danger. Alors tout autour de lui, ce sont toujours comprendre les faits. Et Marika va dire ça, non, c'est fini pour faire ce qu'il dit. Va se retourner contre lui. Au moment, général Maele, lorsque Laurent Kabila a avancé avec la FDR, vous savez, Amérique va passer une balise satellitaire. Il faut pas que Laurent Kabila, parce qu'on lui a dit c'est fini. Dès le même sur Angola. Alors le chef de l'État doit se faire entourer par des nationalistes. Comme on lui s'est dit, nous toujours nous n'avons pas Mboka. Mais si on tient à Tiki Kaka, le juste tout autour de lui, il va être la caméra pour vous en bon, on va se retourner contre lui. Vinaigre de la paix en danger. C'est pourquoi nous sommes tous les deux. Je dis non, tout côté Kate, présent dans la situation. Il faut pas vous dénoncer, mais vous vous souciez. Pour un mandat, surtout ça, attention, bon, on va se faire un bon papa. Tandis que papa, nous sommes tous les deux. Parce que nous sommes tous les deux. Papa, on va dans les bâtiments. Au moins, il peut être tout autour de Katoumi. Bah, tu es venu à faux congolais, il est venu à faux congolais. Tout autour, il y a un Katoumi. Tu es venu à faux congolais parce que. Donc, il y a un lobby qui est Katoumi à faux papier. Bateau va entourer, il y a un faux papier. Net, nan, nan. Gana Zaina Moïse Katoumi, comme un ami à l'Afrique du Sud. Vous comprenez? Ce Moïse Katoumi a comme gouverneur, c'est parce qu'il était avec moi. Comment ça? Joseph Atinda Francis Kalo, pour tout négocier. Quoi, puis ça m'a bon. Nalo, Joseph, c'est mon frère. Vous comprenez? L'Engana, Francis Kalo, a moni Moïse. Azon, on t'a expliqué, Joseph, que nous avons passé un bon visage à Moïse. Des ans, t'étais. De Joseph, papa, puis ça m'a rendez-vous à Moïse, Naron. De Moïse a négocié, Moïse a qui, maman, à comment on a Congo, jusqu'à devenir le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Azaki exilé. Tant Azaki exilé, à Joseph Kabila, il y a un anaïe, pour Naïo. Voilà, il y a un anaïe pour affaiblir. Or que moi, je ne dépendais pas de Moïse.
Moi, j'étais en collaboration avec son frère Katébé. C'est Katébé qui a dit, non, le roi Moïse, mon gars, amis, là, là. Ah ouais, bon, là, là. Mais pendant ce temps-là, Moïse m'avait dit une fois, parce que je n'avais pas papier. Moïse avait dit, je m'en parle, tiens, tu sais, je n'ai plus d'argent. Quand on a vu son ami, il m'a dit, tiens, tu sais, moi, je n'ai plus d'argent. Il faut qu'il y ait d'abord la Belgique, là, il faut que je me rende relancer l'activité. Mais, Zéla, je suis dans mon Zambie, je suis dans mon Zambie. Comme ça, après, c'est parce que vous avez un peu de puis la Belgique. Parce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez la RDC. Il filme une minorité de la RDC. C'est pourquoi aux moments dans le pays Moussoussou, ils ont battu Moussou dans la droite à voter. Na Kenya, il y a plus de 10 tribus. Dans la droite à voter. Dans la élite, dans la paix, voter pété. Dans voter à pété. Parce que si on a la nationalité de deux négociations, il faut que la tribune est en danger pour la vie. Et il faut que la tribune est en danger. Mais na Congo, on a besoin de ça la paix. Ils ont battu Moussou, ça dit, ah, bah, c'est sur les pouces. Oh, bah, ok, vous avez la droite à voter. Pour tout éviter, il faut garder la tête. Si vous perdez des terres, ma belle, et si vous devenez errant, ou même si vous avez besoin de terminer, ma belle, pourquoi? Parce que chacun de nous a ses grands-parents, un chef coutumier, a été éteint, ma belle, naïe, à Sanguis, dans le Boka. Mais ça, c'est ça. Vous comprenez? Et ça, vous avez besoin de terre. Si vous avez besoin de terre, il faut pas droit, vous avez besoin de terre. Vous avez besoin de faire du sud-coulant, je n'ai pas la nationalité. Je suis sud-africain, mais tu n'as pas de terre. Tu ne peux pas avoir les mêmes droits. Qu'un Sud-Africain d'origine. Non, il y a beaucoup de choses qui doivent quand même changer. Hein. Beaucoup de choses qu'il faut changer. Surtout dans le quinquennat où il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Effectivement. D'accord. Mais alors, oui, c'est vrai, Tobé Tili Solo, il y a assassiné à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais dans la prochaine année, il y a fusion à Yomoko, M. Étienne Kabila. Parce que c'est vrai que mener déjà combat assez dur. Mais je crois qu'il y a encore l'avenir, vous accorde encore beaucoup de choses. C'est quoi encore votre vision? Dans le Congo. Le Congo, notre pays, la RDC, a besoin d'un leadership nouveau. D'un quoi? Un leadership nouveau. Vous voyez? Ce que moi, Tokola Bisso, Tokola n'a tant dans Mobutu. Mobutu, ce qu'on a appris, c'est quoi? C'est la jouissance, c'est la facilité, le dialogue. Ça n'arrange pas les pays. Vous comprenez un peu? Il faut tomber dans le côté de la musique. Au moins, même, notre programme, tout ça, le gouvernement, c'est un programme. Le pays, vous changez de rien. Au moins, il y a plan, par exemple, le plan Marshall, il changea l'Allemagne. Vous comprenez? Et pas la vision, tu comprends la démagogie. Pour ça, les projets, par exemple, 5 chantiers. 5 chantiers, ce n'est pas un projet qui a changé le pays. Le programme du développement d'un pays, le programme du développement d'un gouvernement, doit s'étendre jusqu'au-delà de la mandature. Ce qu'on a beaucoup de choses, c'est que vous avez dit, vous comprenez la côté. Donc, il y a un peuple qui nous, si on va dire de l'eau, une année après, il faut que vous changer. Oh, c'est impossible! Lorsque mon père était aux affaires, à Salaka, plan mon gars de vivre au Congo pendant 15 ans. Bah, tout le monde 15 ans, vous voyez, là, je vais te remettre à Congo. Depuis à Congo. 23 ans. Surtout ça, à plan à 15 ans. À quoi il peut qu'on tique après 5 ans, peut-être à couvrir, peut-être à tique, mais tout ça, on continue là. Mais ça, on a continuité, on a fait. Vous comprenez? Il faut battre mon sou, battre à Sika, mentalité à Sika, parce que ce capote changer Congo. Même si ça, il y a un mot. Mon tout le monde a un poteau, on a projet à 145 territoires. Document 600 pages. Aïe, n'a pas de soleil là après. Un mois après, n'a pas de premier ministre à la télévision. A zoom, on va 145 territoires. Après, c'est sur 10 pages. Mais il y a un mois, il y a un mois. Il y a un mois, il y a un mois. Il y a un mois, il y a un mois. Il y a un mois, il y a un mois. C'est 145 territoires de marché. Hein? Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il faut un projet à miner, un projet à long terme. Pour changer le Congo. Mais pour changer le Congo, il faut un leadership nouveau. Parce que monsieur Asika, parce que tu vas déjà aller loter. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand ça marche, ça c'est bien. Vous comprenez? Tout ce cas, nous avons prié, nous avons signé le président de la République, allons voir, oh, président Fatih Béton, la rue ne peut pas éduquer la masse, la rue ne peut pas éduquer toute une nation. Mais là, tout, nous, on a le député, nous avons le président de la République. Nous avons le président de l'Assemblée nationale, notre président de la République, Fatih Béton. Je sais quoi ça. Donc la rue commence à éduquer toute une nation. Autrement, il n'y a pas besoin de m'acheter. Hein?
Ceux qui ont travaillé étaient au bassin du coup d'État contre le président Fachi de l'eau, Otolo, le président Koufi. Ils ont pris des petits bétons, ils ont pris des petits bétons, ils ont pris des petits bétons, ils ont pris des petits bétons. D'accord, ok. Il faut travailler pour qu'on voit la mission échanger. Là aussi, le président a dit qu'il faut attirer l'homme, il faut faire ce qu'il faut. C'est pourquoi on a voté pour le président Félix, pour permettre qu'il dépasse avec le président Félix, attirer le projet de société. Mais le ministre a travaillé avec le président Fachi, il a dit qu'il n'y a pas d'excès là. Ministère Naé, OP. À Salaï, qui a Salaï quand même, le Romora Malonga. Vous voyez qu'il y a un mois sur cannabis, le Romora Malonga, les jeux de mignons. Aza, le politologue, il y a une équipe. D'accord. Aïe, Tchanga, Yaya, autant qu'on va comme va tout trop. Yaya, autant qu'on va comme va tout trop. Même les Dinagam, sur Samuel, la porte, Aïe, Tchanga, la même chose, Samuel, quoi, comme ça, non, viens, autant qu'on va comme va tout trop, doser, autant qu'on va comme va. Mais Bazali. Bato, Bazo, ça veut dire président Félix. Mm. Ah! Tout ça, la guerre, la Est, hein? Ministre en charge de la sécurité. Azan, un conseil de l'idéaliste. Azo, Bina, Azo, Yema. C'est payé comme machin de Yema. Tous les exemples, moi, tous les exemples, Donc, tout ça, à venir une nation, déjà, c'est ce jour de nous. La souffrance que nous avons ici au Congo, ça nous mérite, on mérite pas cette souffrance. Maman. Kinshasa, c'est la capitale la plus sale au monde. Kinshasa. Tout le monde va te dire, la capitale va expliquer, elle pue. Kinshasa. Même en face à Séni. Ah, Séni, Nabiso. En fait, là, on a fait là, qui nous a inventé, fait qu'elle est à Féminine, on a fait là. Kinshasa pue. Tout le monde a géré au monde. Écoute, on a fait un peu de temps, ministre. Dans ton côté. Maman. Je ne sais pas si tu as un peu de temps, mais tu as un peu de temps pour ici. Tu as un peu de temps pour changer ma caméra. Tu ne veux pas comprendre. Bissot, le deuxième bassin d'eau au monde dans le Congo. Tu as un peu de temps. Tu as un quartier comme la ville de Kinshasa. Tu as un peu de temps. Et puis, pire encore, tu as un peu de temps pour aller à Kinshasa. Tu as un peu de temps pour aller à Kinshasa. Il faut son maman et à mon âge, comme il est allé au Koutam. Vous comprenez? Résidez ça, jamais au Koutam. Vous comprenez? Donc, sur le temps à l'école primaire, l'eau potable, inodore, incolore, ainsi de suite. Soit quand on va tirer la verre, si on va avoir l'eau, on va tomber, on va dire que ça a été ça. Tout ça dans la capitale, dans l'eau intérieure. Vous comprenez? Mais tout ça dans la case, tout ça dans la case de l'année, il y a déjà l'air. Va m'y se baser. Vous comprenez? Tout le temps au Koukéné, on va faire un peu importer la mise, la fouille du sucre. Bama est à combien Le Congo, il faut un leadership nouveau. Le Congo est changé. Il y a autant d'intérêt, non égoïste. Non, mais ce n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas intérêt égoïste, mais il va offrir aux jeunes un bonbon. Pour aller dans ce jeu, il va faire un bonbon. Il y a un bonbon qui est dans la poche. Et j'ai même ma bonne vie. Il y a un bonbon qui est dans la poche. Attends, peut-être que tu n'as pas. Donc, Félix, ça fait sur moi portion et pouvoir mon robot. Et ça, pour la peur, plutôt pour la humour. Mais si je n'ai pas posé mon souba, après ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Même si je n'ai pas posé mon souba, après ça, il n'y a pas de problème. Vous savez, tellement les Congolais sont torturés. Toilette des athées, vous tiens, vous êtes chaud. Moi, je suis dans un conteneur. Puis, je suis dans un statut. Vous êtes dans un statut pour amener le changement. Mais les Congolais vont être torturés dans un air, dans une la même chose qu'au temps des Joseph. Même méthode, même pratique, même système. Et on ne peut pas vivre en attendant Félix. Vous comprenez? Toujours continuer avec le même système. Parce que tout le monde va. 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 Tout le Il faut que tu aies un peu de temps. Quand tu as une toilette, si tu as une toilette, tu as une police, c'est la police qui doit te nourrir.
Donc, il faut qu'il y ait une droite, il faut en avoir il faut en avoir la prison pour tout Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound. Oui, Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound. Parce que nous tous les jours. La présence n'a pas encore plus mal. Mais parce que nous avons condition pour impossible. On est là à la prison. On va passer à 1 mètre. On va mettre la prison. On va mettre la prison. On va mettre la prison. On va passer à 1 mètre. On va mettre la prison. On va se soustitionner en tassé la prison. Cela le côté pour le monde. Personne ne sait, personne ne s'intéresse à eux. Tout ça, la jouissance, la jouissance. Oh, mais c'est terrible. Alors, je ne pose pas la question de 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 la Vous êtes Jean-Marc Kabound. Oui, je serai de voir. Et pourquoi? Ouais, c'était un Congolais. Ah, personnel. Donc, c'est un dossier personnel. Et puis, il y a des fans, il y a bien, pour ces raisons, et c'est Makanga qui est vraiment, ça n'est qu'une infraction ou pas. Je l'ai rencontré, tout solo, il y a et puis j'étais à la cour de cassation. Je l'ai poussé, il y a des parce que ma journaliste, c'est bien, vous avez vu, il y a des gens qui ont dit, ça n'est qu'une coup d'état, on a dit, on a dit, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a accusé Kabound, mais je m'excuse, il y a des gens qui ont infractionné, on a dit. Infractionné. Non, on a dit, parce qu'il y a l'objet, bon, yoka. Bakangi Ponani. Bakangi Ponani, pour Alobaki, par exemple, le chef de Alobaki qui est pour la banane. Bongo Lungara, et l'avion, et puis ça. Na ba poto. Hein? Vous comprenez? Alors, à condamner justice. Alobi, le chef de l'État, les compétences notoires du chef de l'État. Vous comprenez? On doit préparer hold-up électoral. Voilà, il doit faire ça, Alobaki. Vous comprenez? Mais attention, il avait les statuts de qui? Député, élu du peuple. Vous comprenez? Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. La loi, vice-président, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. La loi dit ceci. Un ami du peuple, à cause d'elle, n'a jamais poursuivi la parole. Mais Azaki n'a pas preuve. Il a présenté ma preuve. Est-ce qu'il avait des preuves de tout ce qu'il avait dit avant? La loi est claire, elle dit ceci. Un ami du peuple ne peut jamais être suivi à cause de ses propos. Donc, il ne pouvait pas être poursuivi. En plus, la Cour constitutionnelle est accordée qui est liberté provisoire. Vous comprenez? Bah, exécuter en beauté. Un élu du peuple, ceux qui n'ont pas condamné, hein, à cause de la prison, défense la liberté provisoire. Mais il y a besoin de liberté provisoire. Vous comprenez? Donc, quelque part, ça ne va pas. J'étais à la Cour constitutionnelle. Et puis, à l'Obiboué, sa défense disait ceci. En 2011, papa était une série d'avis, dit Joseph Kabila, c'était un papier hygiénique. Alors, dit Joseph Kabila, c'était Rwandais, vous donc c'est la Rwanda. Bakanga a été pour la vie. Au nom de la démocratie. Maintenant, dès que Kabound a le Bible, on a compté plus à fait. Bakanga est pour la vie. Donc, le Bible, ça n'a pas prêté. Je faisais démocrate, c'est ça comme dictateur. Vous comprenez? Ça veut dire que tout autour, chef de l'État va jouer des présents de la vie. Kabound devrait être en prison. Sans sentiment, sans parti. D'accord. Ça, c'est mon avis. J'aimerais qu'on chute avec ces sujets. Juste car on me quitte, hein. Les lots le qui est au bazar tout autour, il y a président, bazar car déjà les listes. Hein? Les lots Monique Cornet qui menace aujourd'hui la République démocratique du Congo. Il faut quand même dire que Outo le Bango, vous allez comme ma belle. Il faut tout le monde envoyer pour protéger les alliés patrines à Bissot. Mais moi, qu'on a Bissot, oh le lot, à se juger illégitime, on a légitimé bah, M23. Et au Monique, il y a certains jeunes aussi qui sont en appui. Naïe. Tozoyo kapeli lisusu. Ils ont là-bas, oh, ils vont frustrer les lots. Bah, on peut vas aller pour le voir pour qu'ils nous rejoignent. Quelle analyse vous pouvez faire par rapport à tout ça? C'est comme ça, les Congolais condamnent quelque chose de son contraire. Le roi de Kabila, il va bien à Rwanda. Après, on va donner, le roi de Kabila dit, au Rwanda, rentrez chez vous. Bah, Congolais, bah, il est sous ça a RCD. Bah, ça a RCD. Bah, ça a dit, Goma, bah, pas Djawama, bah, quoi, contre le Kabila. Bah, mouvement, bah, on s'est trompé. Bah, mouvement rebelle, nous, oh, ils ont dit, populaire, c'est ça qu'a depuis la FD, tout ça, le mouvement n'a pas réglé, mais c'est les impopulaires dans l'Est. Vous comprenez? Pour que ça événement, il sera même incapable de recruter les jeunes. Au moment où les jeunes vont appeler les Oisaliens, et les Oisaliens, c'était les natifs. Ils vont défendre ma belle à Bango. Vous comprenez? La population de l'Est ne veut plus de ces mouvements rebelles à Bango, qui va tous sur Anna. Vous comprenez? Même Nanga, il aura difficile à recruter les gens. Vous comprenez? En Meka, à quoi on va? Dans le pays qui s'est mais guerre, la plupart des Congolais, ma commune compte ma guerre, ouana, tous les fans de ma ville. C'est pourquoi les mailles depuis longtemps, ma mère est.
Nous étions les mêmes. Quand je suis rentré ici, j'ai fait beaucoup d'émissions. J'ai vu les autorités pour les trois. Il ne faut jamais conduire appellation avec les mêmes. Il faut une force négative. Non. Les maïmaï, les wazalendo, hein, doit défendre ma belle contre l'occupation rwandaise. Mais vous avez une force négative. Le lot est à voir. Le lot représente à nommer quelqu'un, un général, pour arrêter les wazalendo comme des réservistes. Vous comprenez? Ah, c'est comme ça que la population, parce qu'il ne peut pas dire, massivement, pour aller passer, il va dire, compte, il va dire, Mais même ton frère garde silence, hein? Il est toujours silencieux. Non, Joseph est souple, c'est dans la Bible. Même si autant la Bible, on la met dans la Bible. Sauf autant qu'il serpent dans la Bible. Ils allaient au Ramadan. Une seule fois que Jésus a parlé du serpent, maintenant il y avait à lui, soyez souple comme le serpent. Il est très souple, c'est Joseph. Joseph est très souple. Il savait que c'était un abruti, il ne connaissait absolument rien. Il s'est taisé. Au moins, il battait une capacité dans lui. Il est différent de Joseph dans Moïse. Ah. Moïse le connaît absolument, il aime trop parler. Donc lui, il est silencieux parce qu'il sait qu'il n'a rien à dire. Quand il parle trop, tu vois, on va dire qu'on nous bouffe, nous sommes malades. On comprend. C'est la différence entre toi et moi. D'accord, monsieur Étienne Kabila. Juste un mot de la fin, on va clôturer notre émission. Bon, le mot de la fin, là, c'est la macasse parce que voilà, quand même, il a apporté quelque chose. La victoire, la victoire du peuple. Et la victoire, elle a été testée. Et la victoire, elle a félicité. Et la victoire, elle a été un peuple congolais. Consciencieux, va comprendre que nous devons défendre hein, la patrie. Donc, continuer. Le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Nous devons aider le président de la République avec nos idées, avec nos idées. Tout ce qui va dire, le président de la République, il a condamné que le soumat va passer, va même le président Félix Nastat. Le président Félix est allé dédier le pays à Dieu. Au moins, il va dire, le président de la République, il va pasteur. On devait dire au président de la République, vous n'êtes pas la personne habilitée de dédier le pays à Dieu. Les enfants de David, quand ils ont dédié Israël à Dieu, Israël est pas en langue. Et Dieu avait frappé les enfants de David. Le président de Félix n'est pas sacrificateur. Il fallait voir les salons, lui, ce n'est pas sacrificateur. Sacrificateur de Dieu, tout dédié ce pays à Dieu. Vous comprenez? Mais il y a une boutique pour la majeure, il y a un pasteur, il y a un pasteur, il y a Félix. À quoi tout le monde est président de la République, il n'est pas sacrificateur. Tout le temps, il y a un ami, non, comprenez? Tout ça, c'est quoi? Oh, parce que tu commences à me compter un bolo, moi, mon copine, je suis dans ma prochaine vision. Vous comprenez bien que vous avez un peu de mais il faut changer. Je suis optimiste. Merci beaucoup, M. Étienne Kabila, de nous avoir accordé cette émission. Merci hein, également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Laissez-nous un commentaire, un petit j'aime, ça nous fera toujours plaisir parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, de continuer à vous informer, de continuer à recevoir des personnes qui aiment les Congos. Alors, si vous aimez les Congos, si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous. Au revoir.